زرناك وبهواك راح نموت علقين عشنا وشفنا ما احنا ناسين. ترى قلت ترى قلت مرحبتي ترى قلت ترى قلت مرحبتي محامدة زين الغزلان خير الناس فيك فيك كرم أكرم خيام يا وني. Nous sommes à Mhamed El Ghezlan, quelque part au sud-est du Maroc, aux portes du désert. D'ailleurs, c'est le deuxième petit nom de ce village, Mhamed El Ghezlan, la porte du désert Bab Sahra. Ravi de vous accueillir ici au festival Taragalt, dont je suis marraine. Je m'appelle Oum, c'est mon nom d'artiste parce que c'est plus simple. En réalité, mon nom est un prénom composé qui se dit Oum El Ghait. Et mon nom de famille, c'est Ben Sahraoui, qui veut dire la fille ou le fils du saharien. Voilà, mon papa a des origines sahraouies qui remontent un petit peu plus au sud, en Mauritanie, dans un endroit qui s'appelle Chemguiti, auquel je n'ai jamais été encore. Et à vrai dire, je suis née à Casablanca et j'ai grandi à Marrakech, donc je n'ai vraiment pas eu de rapport véritable avec ni cette culture, ni la musique de cet endroit, ni la culture de ces peuples nomades que l'on célèbre ici à ce festival Taragalt. Et ça a commencé ici. Un jour, je suis venue, pas pour le festival, il y a peut-être 7-8 ans, et j'ai rencontré les frères Sbaï, Halim et Ibrahim, qui sont les initiateurs du festival Taragalt. Et à l'époque, ils avaient réussi à organiser 2 éditions, juste, du festival. Et puis, ils s'étaient arrêtés parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Et ils m'avaient raconté donc l'histoire de ce festival et que j'avais trouvé vraiment brillante idée, engagée, qui part d'une initiative privée avec très très peu de moyens et dont le but n'est pas juste de divertir ou de faire juste une fête avec de la musique et de la danse, mais vraiment de mettre en avant et d'éveiller un peu sur la notion d'environnement, comment est-ce qu'elle est vécue ici, parce que c'est un environnement très particulier, très rude. Et que ces gens vivent avec ça depuis toujours. Donc ils ont vraiment, d'une part, une conscience écologique, vraiment naturelle. Et toutes ces choses-là, on peut les voir pendant le festival. Alors l'idée m'a vachement séduite. Et ils m'ont dit, bon, la prochaine fois qu'on réussit à faire le festival, il va de soi que tu viendras chanter à ce moment-là. Peu importe quand ça va venir. Et 3 ans plus tard, ils me rappellent et ils me disent, OK, on est très contents, le festival va se tenir cette année. C'était en 2012, je crois. Et on veut pas seulement que tu viennes jouer avec ton groupe, on veut que tu sois la marraine du festival. Il fallait que je fasse une chanson pour dire merci. Et ça tombait bien parce qu'on était là à la veille de l'enregistrement de mon avant-dernier album, donc Soul of Morocco, qui en fait est l'album avec lequel je me suis présentée à l'international. Puisqu'avant lui, j'avais fait 2 albums produits, réalisés, sortis au Maroc. Et Soul of Morocco allait être ma carte de visite pour me présenter à l'étranger. Et tout s'est bien goupillé, comme il n'y a pas de hasard, je le crois. J'ai fait ce morceau à la dernière minute alors que l'album était quasiment prêt. On entrait pour faire l'enregistrement et j'ai rajouté cette chanson Taragalt dont je n'étais vraiment pas très sûre. D'une part parce que je voulais mettre dedans quand même une vibration d'ici, un son d'ici, mais que je n'avais pas encore suffisamment de bagages parce que je n'avais pas encore commencé à véritablement m'intéresser à cette musique, à cette culture, à cette poésie, à cette façon de faire le rythme, de concevoir même la musique. Et j'avais une crainte qu'il soit mal reçu ici par les gens d'ici et aussi par mes musiciens que je rencontrais pour la première fois. On s'est rencontrés pour l'enregistrement de Soul of Morocco et puis on tourne encore ensemble. J'ai fait le morceau, on l'a enregistré, on l'a mis dans Soul of Morocco et on est venu jouer Soul of Morocco la toute première fois jouer ensemble
un projet tout neuf, c'est ici à Mohamed Rizlan. Donc ça aussi, je suis très reconnaissante de ça parce que ça a pour moi une belle symbolique et c'est une histoire qui démarre. Et aussi à consolider aussi notre histoire d'amitié, mes musiciens et moi, parce que voyager avec des amis, ça vous apprend sur vous, ça vous apprend sur eux. Et voyager dans le désert, alors là vraiment c'est garanti, on ne peut plus rien cacher de nous. Donc ça s'est très bien passé. Et c'est comme ça que j'ai repris mes musiciens et que nous sommes venus nous installer ici 5 jours. On est venu avec un studio mobile, donc avec tout le matériel. Et on a planté les micros dans le sable et on s'est mis à jouer comme vous et moi, c'est-à-dire les uns à côté des autres, sans casque, sans retour. La régie était à l'intérieur et c'était « Alors, on y va, ça tourne !» Et c'est une très très belle leçon en fait d'humilité et d'acceptation aussi de notre fragilité dans l'environnement, dans la nature et aussi par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on peut produire à un moment donné ou à ce qu'on ne peut pas ou à ce qu'on hésite. Je parle de quand on fait la musique ensemble, surtout quand ce sont des musiques qui ne sont pas vraiment écrites. Moi, je suis une autodidacte de la musique. J'ai fait des études d'architecture et je suis partie progressivement vers la musique. Et donc, je fais la musique de façon très instinctive, en fait, et spontanée. Et c'est un peu comme ils font ici. C'est-à-dire, quelqu'un va dire une phrase improvisée avec une petite mélodie. L'autre va la répéter. On va la répéter 3-4 fois. S'il n'a pas d'instrument à côté, ben, un verre et une bague, ça fait une belle percussion. Avec une table, ça fait une belle percussion. La chanson va se mettre à exister. Demain, à la même heure, pendant la cérémonie du thé. Hey, tu te souviens de la chanson qu'on a fait hier? Ça faisait comment déjà? Et voilà. Et c'est comme ça que naissent les chansons. Et dans l'improvisation, il y a toujours, c'est toujours en mouvement, c'est toujours, les gens sont vivants ici. Parce que c'est une nécessité, en fait. Dans le désert, on ne peut pas juste se laisser vivre. Il faut être actif dans sa vie et il faut accepter ce qui vient de l'extérieur. Voilà, donc l'idée de Zarabi, c'était ça, de venir faire davantage ici, dans cet endroit. D'abord parce qu'il a une très très belle âme et une très belle énergie, parce qu'il nous inspire et parce qu'il fait résonner les instruments différemment qu'ailleurs. Et parce qu'on se sent bien de faire de la musique ici. Et le ciel est sublime, quand la lune est là, elle est juste incroyable. Et aussi les gens. Les gens du festival, mais aussi leurs familles, les enfants. Les femmes, celles qui tissent ces tapis qui m'ont inspiré aussi le nom de l'album Zarabi, puisque Zarabi c'est le pluriel de Zarbia, qui en dialecte arabe marocain veut dire tapis. Et ces dames, ce sont des tisseuses de tapis, des tapis assez spéciaux parce qu'ils sont tissés à base de vêtements et de textiles usagés. Alors c'est une technique qui existe dans pas mal de régions rurales ici au Maroc, comme ce tapis là. Tout ça, c'est des morceaux de tissu, de chemise, de pantalon, qui ont déjà été portés longtemps. La particularité ici, c'est qu'elles font ça à base de vos vêtements, les vôtres, dont vous connaissez l'histoire, l'origine. Celui-là m'a été offert par un tel, celui-là je l'ai porté tel 31 décembre, mais il ne me va plus, mais je n'ai pas envie de le jeter, parce qu'il a quand même une valeur sentimentale. On a la solution, on va tout vous mettre tout ça dans un beau tapis que vous allez mettre dans votre salon, et ça va être très très beau. D'une part, ces femmes-là, elles ont besoin de ce travail. Ici, c'est difficile de trouver du travail. La plupart des gens vont travailler dans le tourisme, vont organiser des trekking, des visites dans le désert ou des bivouacs comme ici. Les hommes, les femmes, les veuves n'ont pas de travail. Donc, s'occuper à faire ces tapis, les envoyer un petit peu partout dans le monde, y laisser une trace. Il essaie son cœur parce que je ne sais pas si vous les avez vus les tapis, mais c'est vraiment des œuvres. Hein. C'est flamboyant avec des contrastes comme ça. Elles laissent vraiment libre cours à leur imagination. On ne leur dit pas je veux tel motif ou tel motif. Et à chaque fois, il ressort vraiment de très 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 belles choses. Et si je me dis cette chanson avec son clip Taragal t'a marché comme ça a été, peut-être si je parle de ces femmes à chaque fois que je parle de Zarabi, peut-être qu'elles vont en faire davantage. Et peut-être qu'encore il y aura des gens qui viendront au festival. Et Dieu merci, ça a marché. Ah, 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 ah.
سير على لما عنده خطوة باش بيضة العدو يا ربي مولاي.